les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Le tribunal prend acte de votre renouvellement de serment en qualité du président du tribunal de grande instance et faisant fonction de juge près le TGI Bukavu et vous présente. Fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le tribunal prend acte de votre renouvellement de serment en qualité de juge d'instance près le tribunal de grande instance de Bukavu et vous présente ses très sincères félicitations. Le tribunal de grande instance de Bukavu procède des actes de renouvellement de serment. L'an 2024, le deuxième jour du mois de mars, le tribunal de grande instance de Bukavu s'est essayant en audience ministère public à l'UQI à s'écouter sur le tribunal de l'étroit de l'événement de Sénat de la PSC. Écrit et oral, et c'est ainsi que le tribunal a accepté de recevoir leur serment à l'audience de ces jours. Votre avis quant à cela? L'article 129 de la loi. De l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979 sur les dossiers personnels de chacun de ses impétrants. Il s'est rendu compte que ceux-ci réunissent les conditions prévues à cette disposition. Il est impérieux de respecter la loi. L'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps de défenseur judiciaire et du corps de mandataire de l'État, plus précisément à l'article 132 qui dispose qu'après la décision d'admission et avant l'inscription au tableau et l'exercice de la profession, le défenseur judiciaire prête le serment suivant. Je jure de respecter la Constitution, d'obéir à la loi, de ne rien dire ou de publier des contraires aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste à mon âme et conscience. Monsieur le Président, ceci étant, il plaira à votre auguste tribunal d'inviter les six présents impétrants à prêter le serment prévu à l'article 132 de l'ordonnance du 28 septembre 1979, de leur en donner acte, de vous réserver de frais de la présente instance, et ce sera une bonne œuvre de justice, nous avons dit. La Constitution, l'obéir à la loi, de ne rien dire ou publier de contraire aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste en mon âme et conscience. De respecter la Constitution, d'obéir à la loi, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux décisions judiciaires, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l'État et à la paix publique, de ne jamais écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirais juste à mon âme et conscience.